Oh Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Je suis un insensé. J'ai gâté mon foyer moi-même. Oh Seigneur, pardonne-moi. Avant qu'un homme n'entreprenne de conquérir une femme, il devrait d'abord se conquérir lui-même. Il devrait d'abord se contrôler lui-même. Chaque problème dans un foyer peut être attribué au fait qu'un homme n'est pas en train de se conquérir lui-même. Oh Père, aie pitié de moi. J'ai voulu conquérir ma femme sans me conquérir moi-même. J'ai voulu utiliser la force pour amener mon épouse à se soumettre à moi. Pourtant moi-même, je suis rebelle et désobéissant devant toi, Seigneur. Ouvre la porte là et je vais te montrer. Regarde-moi ça. Tu vas me faire quoi? C'est seulement ici que tu sais faire la force. Tu es incapable de t'occuper des besoins de ta maison. Un incapable comme ça. Tu continues, n'est-ce pas? Tu veux que je vienne casser la porte là? Oh mon Dieu, aie pitié de moi. J'ai détruit mon propre foyer. Tu as prophétisé le mal. Tu as prophétisé des critiques jusqu'à ce que tes prophéties se sont réalisées. Ta femme est le fruit de tes prophéties. J'ai prophétisé le mal. Sur ma femme. J'ai prophétisé le mal. Et j'ai récolté le mal. Pardonne-moi, Seigneur. Tu es malade dans ta tête là. Tu ne vois pas que je suis en train de lire ma Bible. Et c'est le moment que tu choisis pour faire tes conneries là. Je dis, tu as l'eau dans ta tête là. Oh mon Dieu, j'ai passé tout mon temps à insulter ma femme. J'ai été dur envers elle. Aucune tendresse. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Dieu, je reconnais que c'est ma faute. Si mon foyer est gâté comme ça, Seigneur, je reconnais que c'est ma faute. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Ma femme a développé des mauvais comportements à cause de moi. Restaure ma relation avec mon épouse. Apprends-moi à aimer mon épouse, Seigneur. Je ne veux pas de moi.
Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi.